Bien que la plupart des trains de voyageurs omnibus roumains soient assurés en rames tractées, les CFR, chemin de fer roumains, possèdent plusieurs séries d'autorails. Certains, septuagénaires, sont les doyens des autorails en service régulier en Europe. Le matériel actuellement en service en Roumanie a été en grande majorité construit par l'industrie ferroviaire locale. Les deux principaux constructeurs sont Resita et Malaxa. Ce dernier fabrique des locomotives à vapeur et dès les années 30, plusieurs séries d'autorails. Ces petits engins à deux essieux sont immatriculés dans la série 77-900. Ils ont été construits à partir de 1935 à une centaine d'exemplaires d'après un modèle allemand. Au cours des années 1970, ils ont subi quelques améliorations, mais restent pour le moins très rustiques. La livrée vert d'origine cohabite désormais avec des livrées bicolores, grenat, gris ou rouge crème. Ces autorails circulent en unité simple, en jumelage, mais aussi dans des rames tractées. Équipés d'un moteur diesel Ganz de 120 chevaux, ils sont limités à 70 km/h. Plus récemment, certains ont reçu un moteur Rabat de 192 chevaux. Mais sur la ligne de Saint-Nicolas-au-Mar à Sénade, près de la frontière hongroise, cette modeste puissance est largement suffisante, car l'état de la voie ne permet pas de dépasser 20 ou 30 km/h suivant les sections. Un petit peu plus récent, mais datant tout de même de la fin des années 30, les autorails à bogies de la série 78-750 monocaisse et 78-1000 bicaisse. Ces deux séries très proches ont également été produits par la firme Malaxa sur le modèle des rames hongroises Arpad construites par Ganz. Elles sont dotées de moteurs Ganz de 220 chevaux ou Maybach de 250 chevaux pour les plus puissants.
remplacer ce parc d'un autre âge, quelques prototypes voient le jour dans les années 80. Deux autorails VT 628 construits pour la DB sont acquis en 1995. Ce sont finalement d'anciens autorails à deux essieux, série 771 et 772, des Schienenbus de type Est-Allemand qui rejoignent l'effectif des CFR. Les séries 79-100 et 79-200, associées aux remorques pilotes 79-500, sont rénovées par l'usine Maroub à Brasov et circulent depuis 2003 à l'ouest du pays, autour de Satu Mare, Sibiu et Timișoara. En 1998, la Roumanie procède à la séparation des activités ferroviaires des CFR, constituant plusieurs pôles distincts. La branche voyageurs, Călători, concède certaines lignes secondaires à des opérateurs privés. Durant l'hiver 2003, l'entreprise Transbrasov achète trois EAD d'occasion à la SNCF. Les X4520, 4522 et 4553 quittent Longo, leur ancien dépôt, pour Brasov, au cœur des Carpates. Après passage à l'usine Maroub pour mise aux normes roumaines et révision générale, ils deviennent respectivement X4501, 4502 et 4503, en conservant leur livrée d'origine. En avril 2004, des essais sont menés autour de Brasov sur la ligne électrifiée du col de Prédéal, célèbre pour ses rampes sévères, ainsi que sur la voie unique de montagne vers Intorsura-Buzolui. Au terme de ces essais jugés concluants, l'exploitation commerciale débute à l'été 2004 sur la ligne de Jarnești, petite localité industrielle située à 6 km du château de Bran, fief du célèbre comte Dracula. 6 allers-retours circulent chaque jour sur les 26 km de cette voie unique en cul-de-sac située à l'ouest de Brasov. Tout comme dans le service voyageur, les compagnies privées ont fait leur apparition dans l'activité marchandise. Cette CC rutilante, série 060, a été achetée d'occasion aux chemins de fer nationaux. Dans les autorails, les inscriptions en roumain voisinent avec celles en français qui n'ont pas été enlevées. Oui.
Au printemps 2005, seuls deux OAD circulent. L'X4501, en panne, ne devrait pas reprendre du service, servant plutôt pour des pièces détachées. Face à l'affluence dans certains trains, les autorails circulent parfois en queue de rame tractée. La compagnie Transbrassop envisage l'acquisition d'autres EAD permettant de reprendre la desserte d'autres lignes. En gare de Brassov, les EAD côtoient les autorails les plus récents des chemins de fer roumains. Les rames doubles Siemens Desiro, neuves, de la série 96-2000 ont été livrées en 2004.